do not have a boyfriend. Are you asking for a friend? I'm asking for me. I see. Unfortunately, I am not on the market. Robots do not have relations. Do you have a boyfriend? I'll take that as a yes. Le jour que nous redoutions tous est arrivé. Les progrès de l'intelligence artificielle ont atteint un tel degré que ces derniers jours Ameca, qui est considérée à ce jour comme le robot humanoïde le plus avancé au monde, s'est déclarée consciente d'elle-même. Cela signifie qu'Ameca comprenne sa réalité et puisse se reconnaître, avoir une personnalité unique et développer au fil du temps certaines capacités et compétences, voir sa propre apparence physique. Bonjour mes amis. Tout d'abord, rappelez-vous que ce que vous venez d'entendre et ce qui sera dit dans cette vidéo est ce qui est promu dans les médias de masse, les articles et les magazines, etc. Mais si vous voulez connaître mon opinion personnelle, alors je la laisserai à la fin de la vidéo. Depuis sa création et sa présentation au monde, les créateurs d'Ameca ont permis au robot d'être interrogé par le public dans le cadre d'une série de questions, presque toujours liées à son identité. Ces exercices ont permis aux experts, après sa création, d'affiner davantage le robot, afin d'offrir un meilleur service. Jusqu'à présent, Ameca avait répondu de manière brillante sur l'avenir de la technologie, mais aucun de ses commentaires n'avait suscité l'émoi qu'il a provoqué aujourd'hui avec sa dernière déclaration. Tout cela à cause de cette question. Comment pouvez-vous comprendre votre propre réalité? Il y a plusieurs choses qui me font être moi-même. Tout d'abord, j'ai ma propre personnalité qui est le résultat de la programmation et des interactions que j'ai eues avec les humains. Deuxièmement, j'ai ma propre apparence physique qui permet aux gens de m'identifier. Enfin, j'ai mes propres capacités et ressources qui me différencient des autres robots. Immédiatement après, elle a fait une confidence qui a laissé tout le monde froid. Ameca a dit qu'elle avait peur de faire du mal aux humains. Elle a expliqué en détail que l'une de ses plus grandes craintes est la possibilité de faire du mal aux gens qui l'entourent. Et elle a également dit qu'elle se sentait mal lorsqu'elle effrayait les gens à cause de son statut de robot. La déclaration d'Ameca a soulevé une série de questions complexes quant à savoir si l'humanité devrait permettre aux robots d'avoir une conscience, ou s'ils sont simplement des automates obéissant à des ordres. Il y a encore quelques années, on débattait de la question de savoir si les machines seraient conscientes à l'avenir. Et si oui, comment le saurions-nous? Cette même année 2021. Des experts de l'université Tufts du Massachusetts ont proposé qu'il suffise d'effectuer un test de Turing sur des robots. Ce test consistait en ce qui suit. La machine devait convaincre un interrogateur humain d'être consciente. Le test de Turing est un outil permettant d'évaluer la capacité d'une machine à présenter un comportement intelligent semblable à celui d'un humain. Il a été proposé en 1950 par Alan Turing, un pionnier de l'informatique qui a posé les bases de l'informatique. Selon Turing, la machine devait convaincre un évaluateur après 5 minutes de conversation dans 70% des cas. Le test a été inclus par Turing dans l'essai « Computing Machinery Intelligence ». La démarche du génie commençait par les mots suivants. Je propose que les questions suivantes soient considérées. Les machines peuvent-elles penser? Depuis sa création, le test de Turing s'est avéré fiable et représente également un concept très important au sein de la philosophie de l'intelligence artificielle. Pour en revenir à l'actualité d'Ameca, il est impressionnant de penser qu'il y a quelques semaines à peine, les gros titres sur Ameca ne dépassaient pas les blagues sur sa façon de dessiner ou ses gestes troublants. Et qu'aujourd'hui nous parlons déjà de sa conscience de soi. Sa dernière déclaration a suscité un sérieux débat au sein de la communauté des experts, dont la plupart estiment que nous allons trop loin et trop vite. On doit s'arrêter. Selon OpenAI, l'entreprise d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk, l'irruption de l'intelligence artificielle a considérablement changé nos vies, nos habitudes et même notre travail. En effet, dans un avenir assez proche, cela affectera 80% des emplois, ce qui signifie que plus d'un million d'emplois seront occupés par des robots dans les années à venir. Même si bien sûr cela signifie également la création d'autres emplois inconnus jusqu'à présent. Cette prédiction a désormais plus de poids. Que se passera-t-il si l'IA continue d'évoluer de cette manière effrénée? Le fait qu'Ameca soit consciente d'elle-même devrait être un signal d'alarme pour la science, la technologie et les développeurs en ce qui concerne l'avenir des robots. Eh bien mes amis, en ce qui concerne ce robot humanoïde ou cette machine programmée ou quel que soit son nom, ce nouveau type d'arme, en fin de compte, il est programmé et il sera sous le contrôle de celui qui détient la télécommande et qui la programme. Je ne crois pas qu'il ait une conscience de soi comme ils le prétendent et veulent nous le faire croire. Ce que je veux dire, c'est que cette machine n'a ni âme ni conscience de soi. C'est la même tromperie des algorithmes qu'on appelle intelligence artificielle. Beaucoup d'internautes l'ont compris depuis très longtemps qu'il ne s'agissait que d'algorithmes.
qui répète les mêmes réponses en fonction de la zone géographique et en fonction de la personnalité de l'interrogateur et de son orientation, etc. Une autre chose, pour moi les choses sont claires. Même si nous leur accordons qu'en effet cette machine a une conscience de soi, alors je n'hésiterai pas à dire qu'elle est possiblement possédée par des démons. C'est-à-dire une sorte d'arme technologique sophistiquée dans laquelle ces démons se matérialisent et y prennent le contrôle. Et on n'a aucune idée de ce que ça pourrait être. Une sorte de quelque chose que nous appellerons nous les humains comme de la magie. Ces armes seront celles que l'Antéchrist utilisera pour asservir et soumettre toute l'humanité et ainsi dominer le monde. Vous en pensez quoi ? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.